Sébastien Lavallée. Luc Tremblay. Pour dans notre bocal aujourd'hui, le compte-rendu de notre expérience cinématographique qui a été le Festival du film de l'Union européenne. Donc, on a vu l'ensemble des 27 films. J'aimerais dire que j'ai fait un marathon et j'ai vu les 27 en salle, mais non. Il y en a un où j'ai dû me désister. Un seul. Alors que toi, Hugues, t'as été beaucoup plus... J'étais beaucoup plus absent. Non, j'en ai manqué... j'en ai manqué plusieurs en salle, mais il m'en manque 4, je pense, au total, ouais, que j'ai pas vu. Ouais. Donc, avant de faire notre compte-rendu, on aimerait beaucoup remercier l'Institut canadien du film qui fait vraiment un travail exemplaire pour mettre ensemble tous ces films-là et nous les présenter dans ce festival. Souvent, même les films sont présentés en avant-première canadienne. Si on prend l'exemple de Grand Central de Rebecca Zlotowski, qui va être présenté, je crois que c'est le 6 décembre, qui commence à être à l'affiche dans certaines salles à Montréal, entre autres. Et nous, on a eu la chance de le voir quelques jours, quelques semaines avant même que le film soit en salle. Donc, Hugues, on avait fait une liste au départ de 5 films qu'on pensait qui allaient nous intéresser plus que les autres. Est-ce que tes choix se sont avérés justes? Mes choix se sont avérés assez justes. J'ai été agréablement surpris par la plupart. Il y a des films qui se sont ajoutés à cette liste-là qui font partie maintenant de mon nouveau top 5 après avoir vu tous ces films-là. Oui, moi, j'ai 2 films qui se sont ajoutés à mon top 5 en délogeant 2 autres. Les 2 films, il y a Jackie, le film des Pays-Bas, et il y a Shifting the Blame, le film allemand. Ils ont délogé le film lituanien The Other Dream Team et le film Les Géants, le film belge. Ça n'empêche pas que les 2 films qui sont sortis, qui se retrouvent maintenant 6e et 7e, sont de très bons films qui valent vraiment la peine d'être vus, mais il faut faire un top 5. On a des choix, on a nos préférences aussi qui jouent en ligne de compte. Toi, est-ce que tu as des films qui se sont ajoutés à ta nouvelle liste? Ben moi, j'étais un peu dans la même situation que toi, c'est-à-dire en regardant les bandes-annonces, j'ai choisi mon top 5 en me disant, en gardant en considération le fait que c'est des films que je trouvais qui allaient le plus réussir leur pari, qui allaient le plus aller vers l'essentiel de ce qu'ils voulaient dire, mais j'avais un top 10, admettons, où les films étaient très prêts. Par exemple, Shifting the Blame, moi aussi, m'a surpris beaucoup. Parce qu'en voyant la bande-annonce, on se dit que ça peut vite tomber dans le larmoyant et dans l'excessif. Mais Alken Highway, par contre, fait une remontée fulgurante et délogeant du même coup Up There et My Father's Bike, qui étaient dans mon top 5 original. Sinon, Grand Central et le film, je pense que tous les deux, on a beaucoup apprécié. Oui, probablement le meilleur film du festival. Oui, c'est celui qui était le plus complet, admettons. Ouais. Mais pas de très loin, je dirais. Les autres films étaient quand même très bien faits. Là. Et là, j'hésite beaucoup. Je pense que je vais devoir décerner un ex-écho entre Jackie et Nightboat. Les deux films qui nous ont le plus surpris pour différentes raisons. Sinon, ton expérience en général, t'as apprécié? J'ai vraiment apprécié, mais ça a été un long marathon, très essoufflant parfois. Assez sportif comme épreuve de s'imposer, de voir l'ensemble des films. Mais moi, je crois que, personnellement, je crois que c'est très important d'encourager ce genre d'initiative, ne serait-ce que pour montrer qu'il y a un engouement pour le cinéma dans la région et qu'on veut que des films plus différents ou des films qui n'ont pas la même distribution que les gros blockbusters américains se taillent une place dans nos salles. On répète l'expérience l'an prochain, Hugues? Peut-être, peut-être. Ou sinon, il y a toujours le Festival des films nordiques et baltiques. De l'Institut canadien du film qui s'en viennent dans les prochains mois. Un peu moins de films, il y a moins de pays. On devrait être là. On devrait être là.